problème qui se passe. Nous sommes un pays de tiers-monde, ère à tiers-monde. Mathwalid, un président de Ligue, il prononce Blic pour l'arrêt du championnat. Mathwalid, le bureau fédéral, il n'est que pour la reprise. On attend, on attend la reprise du championnat avec quels moyens? Le président de la FAF, il va se retresser les manches pour donner les moyens au club pour reprendre le championnat. C'est une bonne décision. Il est là pour le football national. Et dans le message, le président de la FAF, il faut qu'il revoie la politique du professionnalisme. Nous sommes des clubs yuk, des clubs endettés. Nous sommes des clubs qui sont appelés à disparaître. Et appliquez la loi. Nous avons une loi. Monsieur le ministre de la Jeunesse et du Sport, appliquez la loi. N'aura au pouvoir public d'assigner la situation. Ils vont faire une amnistie fiscale. Sinon, on ne peut pas. C'est fou. Appliquez les lois. On a les lois. Il faut les appliquer. Le bureau fédéral, il s'est réuni la dernière fois. Il n'y aura pas le championnat. Nous, on se concentre au retour du championnat. Nous avons une équipe. Il est en place, que nous n'avons pas pour l'instant, on libère personne, on ne recrute personne. Je pense que ça a trois bus. Des protocoles sanitaires, deux bus. Nous connaissons Zimmer. Pourquoi Zimmer? Nous sommes la locomotive du football algérien. Il est expérimenté. Vraiment, qui va nous accompagner. Nous sommes prêts pour le protocole sanitaire. À condition que les pouvoirs publics vont mettre les moyens. Il faut maintenant le bureau fidèle qui va se réunir le 15 juillet, il faut qu'il va trancher. Parce que c'est bon, on a marre. Parce que le CNI, on perd chaque mois, on perd beaucoup d'argent. Le club perd beaucoup d'argent. Et CNI, il ne faut pas oublier que nous sommes des sociétés déficitaires. مثولد لاجياس كان كلبكم لاجياس كا يتشطر واتيا دي كابيتال عند لنا كي غي هو كذا كي هضرني واحد دوغمونتي الكابيتال ليه جي فوز انفيتا اوغمونتي الكابيتال فوز مي لاجياس كا اديني اكسيونير انا جو نكسبتري با ديني اون اكسيونير جو نكسبتري با ديني اون اكسيونير اكسيونير اللي فوكا ديوي الكلوب مي ديفكي يدري من ديفكي غال نيس او ديفكني يدري من ديفكني غال نس كنين ناتيد نو سوم بور مي لاينس نتس تو Ils vont déclarer une année blanche. Ils ne vont pas attribuer le championnat. Je pense qu'on attend qu'ils vont appliquer par rapport à les qualifications de la Coupe d'Afrique, d'appliquer par rapport à l'année passée. Non, à cette année, mais à condition que la cadre ait toutes les suspensions. Mais elle, parce que, mais il ne faut pas oublier, mais elle, le match, on attend toujours le match USMA Mouloud, il y a le verdict. On attend aussi l'affaire Nestrefat Sfero, mais chaque année, on a un dead nil. Il a cassé Gimet Havès, il a cadre John, ils vont prendre les. Parce que ça va nous arranger, ni les deuxièmes. Nous avons toujours notre plan B. Maintenant, ça fait normalement le 1er juillet, on a un stage. En Tunisie, on a tout préparé. Ils ont prolongé le confinement. Je pense que c'est pour l'intérêt général. C'est bien. Ensuite, sur c'est le flou total d'Inela. Parce que c'est que nous sommes une entreprise. Nous sommes une entreprise à Ségui. Pourquoi? C'est des salariés. Vous avez même pas de monsieur Aïe, c'est notre négociation. C'est parce que je ne sais pas ce qu'il y a reprise ou ce qu'il n'y a pas reprise. Monsieur Aïe, c'est notre négociation. 50%, c'est notre négociation. Autant que SSPAG, je pense que les sponsors n'ont pas de la visibilité. La publicité. On ne fait pas de publicité. On ne joue pas de match, il n'y a pas de visibilité. Je pense que les sponsors sont dans le kiff-kiff. C'est un partenariat gagnant-gagnant. C'est le message à le bureau fédéral à la FAF. C'est un 1000 milliards. Il a qu'à nous venir. Ils vont aider les clubs. Dans les moments difficiles, il a qu'à nous les clubs. Dans tous les pays du monde, les fédérations sont intervenues pour aider les clubs. C'est pas on ne demande pas de la charité, mais aider les clubs vers les moments difficiles.